Nathalie Collat, bonjour. Bonjour. Joyeux Noël. C'est la période de Noël, Merci, du joyeux Nouvel An. Noël. Et c'est amusant, on s'est rencontrés à Rocamadour, hein, sur le rocher, Ouais. dans une ambiance extraordinaire, sur les chênes truffiers. Et voilà qu'on se retrouve en Belgique. C'est une invitation qu'on vous avait lancée de se retrouver ici, Oui. dans le Brabant Wallon, à Jodogne. Et vous m'avez fait parvenir vos ouvrages parce qu'à l'époque, je ne les avais pas lus. Alors, ces ouvrages sont comme une claque. Mais une claque dans le bon sens du terme. J'ai commencé votre livre et je suis resté accroché dans les deux ouvrages. Le premier, c'est de l'auto-édition et j'espère qu'il arrivera en édition parce qu'il le vaut bien. Merci. Nathalie Collat, Jacques Haddy aime l'école. Et c'est une belle écriture, c'est une écriture engagée. Hein. Engagée, c'est presque. Vous avez pris votre étendard et vous avez élagué l'école, l'enseignement, l'éducation, mais pas que l'enseignement, l'éducation en général C'est et ça. le préformatage des enfants, pas que. J'ai l'impression que les adultes ont beaucoup à apprendre dans cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête pour démarrer ce livre? Vous êtes enseignante? Donc moi je suis logopède dans l'enseignement spécialisé. On va faire plaisir à Rocamadour, on va dire orthophoniste. Oui, Oui, orthophoniste, oui, la oui, version oui. française. En néerlandais, on dit logopédiste, et donc en Oui. français, en Belgique, on dit logopède, mais effectivement, orthophoniste, c'est la même chose. Et donc, en fait, le livre, enfin, la réflexion a débuté par un livre que je lisais lors de mes vacances, un été. C'était un livre de Louise Hay, qui est une dame très connue dans le développement personnel, une américaine. Et voilà la citation ici. En début d'ouvrage, je résume. En fait, elle dit, ben, si l'école m'avait appris à m'aimer, mais qu'est-ce que j'aurais gagné comme temps dans ma vie? Et là, je me suis dit, ben, moi aussi, si l'école m'avait appris à m'aimer, à cultiver la confiance en moi, l'estime de moi-même, je pense aussi effectivement que j'aurais gagné du temps parce que j'aurais, voilà, abordé les choses différemment, j'aurais peut-être été plus rapidement en paix avec moi-même. Et puis je me suis dit, ok, mais ma pratique, voilà, justement, ben, fait que j'aborde tous les jours, je fréquente tous les jours des enfants, est-ce que mes attitudes dans ma pratique montrent à l'enfant qu'il peut avoir confiance en lui? Est-ce que je participe à, justement, à ce qu'il cultive cette estime de lui-même, cette confiance en lui, cet amour de lui-même? Parce que, effectivement, mon métier, c'est de comparer des élèves, des enfants à une norme et, si possible, de les y insérer. Et donc, bien sûr, il y a des outils et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas négligeables et qui servent effectivement. Mais il y a effectivement des missions, du coup, que je m'impose en tant que logopède. Il y a des missions qu'on m'impose au sein de l'établissement. Il y a aussi les parents qui attendent certaines choses. Et du coup, il y a toute cette pression, quelque part, qui fait que je me suis dit, mais je pense que je passe à côté de la personne que j'ai en face de moi. Et donc, ce n'est pas un ensemble de modules cognitifs. Ce n'est pas des modules cognitifs, justement, que je dois réadapter, retravailler pour que, hop, ça s'insère dans une norme. J'ai une personne en face de moi qui, malgré son jeune âge, ben, peut m'apprendre énormément de choses. Et donc, je me suis mise à davantage écouter les enfants et surtout à me poser des questions et à me regarder. Comment est-ce que je leur parle? Comment est-ce que je me positionne par rapport à eux, mon regard? Et j'ai ensuite observé tout ce que les adultes pouvaient faire ou dire dans les écoles, donc mes collègues, ou même, et quelle que soit la fonction finalement. Et je me suis dit, mais en fait, on a une énorme responsabilité, à savoir que si on veut que les enfants soient respectueux les uns envers les autres, et respectueux envers l'adulte, il faut déjà que nous, ben nous ayons conscience de nos actes, justement, de nos mots, et qu'ils soient respectueux envers l'enfant. Et c'est justement toute cette question d'empathie, et c'est-à-dire qu'on souhaite tous que la société soit meilleure, soit plus solidaire, mais il faut avant tout commencer par soi-même. Et se dire, ok, comment est-ce que je peux, moi, agir différemment pour mettre l'autre à l'aise et vraiment qu'il puisse déployer tout son potentiel? Il y a une contradiction dans ce que vous dites, une contradiction positive, c'est-à-dire que pour pouvoir offrir de l'empathie, il faut commencer par s'aimer
soi-même, donc s'offrir à soi-même, mais ça veut dire également fermer une part d'écoute à l'autre, parce que l'autre peut également vous envahir, consommer votre énergie, voire vous détruire. Oui, effectivement. Maintenant, je pense que déjà, quand on a fait d'abord tout un travail sur soi-même d'auto-empathie, donc on a apprendre à se connaître pour justement savoir comment est-ce qu'on réagit. Du coup, je pense qu'on a plus d'outils pour pouvoir gérer une personne envahissante ou un adulte, comme on dit parfois, des adultes toxiques, ou alors quand on travaille avec des élèves qui ont des jeunes qui ont des difficultés de comportement, voilà, qui peuvent être très envahissants. Je pense vraiment que là, et plus que partout ailleurs, dans ces établissements-là, il faut certainement se connaître énormément pour pouvoir aborder ça sans se faire manipuler, parce qu'il y a voilà, parfois des tournures d'esprit, et ça je l'ai vécu avec des jeunes, où on se fait complètement retourner comme une crêpe, et c'est seulement après qu'on se rend compte de ce qui s'est passé. Mais à l'inverse, pas réagir justement fortement, mais justement de façon posée, et donner l'exemple, parce que l'empathie, ça s'apprend. Et c'est ce qu'on oublie en fait. On pense que il y a des gens qui naissent bons, des gens qui naissent moins bons, moins sympas. Mais en fait, il y a une prédisposition mentale à l'empathie. On est tous avec ça. Mais ça va être dépendant des expériences que l'on va faire durant la petite enfance et même encore jusqu'à l'âge adulte, puisque les parties les plus complexes de la partie du cerveau qui gère l'empathie se développent jusqu'à la trentaine. J'ai l'impression qu'elle se développe encore aujourd'hui. Vous dites qu'elle se développe jusqu'à la trentaine, mais les coups de vie font parfois Oui. que votre mode de pensée peut être bouleversé. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a jusqu'à la trentaine, c'est-à-dire qu'il y a des opérations complexes au niveau de l'empathie qui se développent encore jusqu'à ce moment-là. Mais après, évidemment, la vie, bah, c'est un terrain d'expérience infinie. Et bien sûr, on en apprend tous les jours. Et il faut garder cet état d'esprit-là, se dire, OK, je ne sais rien. Je pense que si on part déjà de ça, c'est super. Et j'ai tout à apprendre constamment de tout le monde. Ce n'est pas Einstein qui disait que celui qui dit je sais tout ne sait justement rien. Oui, Je crois, je hein, pense quelque bien, chose comme ça. oui. Dites, mais on va revenir à votre livre parce que votre verbe est passionnant et vous savez à combien je bois vos paroles parce qu'elles me touchent profondément. Et votre livre couvre justement différentes situations scolaires que vous avez puisées de ci, de là, suite à des témoignages, suite à votre expérience personnelle. Et ce livre m'a interpellé quasiment sur chaque page, à chaque page. On a des élèves qui sont devant l'autorité parentale ou l'autorité scolaire, principalement scolaire. Et l'on voit qu'il y a une hiérarchie qui se met en place ou qui est en place. Vous avez le directeur qui est le dieu de l'école, la personne avec laquelle on ne discute pas. Il dit oui, c'est oui, il dit non, c'est non, peu importe si c'est juste ou injuste. Sous cette autorité se trouvent les enseignants anciens. Parce qu'il y a encore une hiérarchie dans l'enseignement. Il y a les anciens qui ont le savoir absolu et qui ont eux-mêmes leurs propres blessures et ces blessures qui reportent sur leurs élèves. Blessures, frustrations, ras-le-bol, fatigue, épuisement. Et ensuite, vous avez les. Bon, il y a les entre-deux, bien entendu, mais ensuite, vous avez les stagiaires qui arrivent dans ce microcosme avec leur idéal et qui se retrouvent confrontés à d'autres enseignants qui n'ont pas trop envie. Il y a un passage où une jeune stagiaire entre dans la salle des professeurs, dit bonjour et personne ne lui répond. Et voilà, c'est le cadre est posé. Et alors, il y a un personnage principal que j'adore, c'est le pigeon. Le pigeon qui vient de temps en temps casser le rythme de votre écriture, mais qui me semble important parce que il frôle les modifications environnementales de cette école, et finalement, ça nous permet de rire, de sourire ou de réfléchir un peu. Ce livre, vous l'avez écrit, mais il est important. Il a, je dirais, 300-400 pages et on ne s'ennuie jamais. C'est un livre d'humour, en quelque sorte, mais il demande à réflexion, hein. Oui, je c'est ça parce que l'école n'est pas toute noire et n'est pas toute rose non plus, comme toute personne aussi, et c'est pour ça aussi que aucun personnage
n'est détesté ou n'est détestable du début à la fin, parce que chacun a sa zone d'ombre et de lumière. Et donc, même le personnage le plus sévère, dur ou rigide dans le livre, à un moment donné, voilà, on peut entreapercevoir une fragilité chez cette personne-là qui explique peut-être aussi pourquoi, et comme vous disiez, les enseignants ont leur parcours de vie, ont eu leur éducation, et ils ont leur sensibilité propre, et du coup, bah, tout ça rejaillit dans la classe. Et c'est effectivement le principe du livre, c'est de ne blâmer personne et du coup de passer par des moments super ou drôles ou amusants et d'autres moments évidemment qui amènent à plus de réflexion et d'introspection sur soi-même, sur l'éducation en général. Oui. En novembre, chaque personne qui fréquentait l'école, adulte comme élève, avait bien intégré ses droits et ses devoirs. Certains tremblaient à l'idée d'être punis, d'autres se faisaient parfaitement à l'idée. Il était des élèves pour lesquels l'école représentait l'autorité suprême, absolue, à ne jamais décevoir, comme si la vie n'existait pas vraiment au-delà de ces murs. Pour d'autres, il était évident que ce n'était pas ici que se jouait la partie, que l'école n'était qu'une infime pièce d'un gigantesque ou du gigantesque puzzle. Cette conception de l'école était celle d'Yvan Laporte. Et l'on continue ainsi. Il y a un tas de petites histoires qui nous font sourire. Hein. Ils nous font sourire parce que c'est écrit, je l'ai dit tout à l'heure, avec humour. Mais mon Dieu, vous allez très très loin. On fréquente une salle d'études, apparemment, dans laquelle les élèves ne bougent pas ou très peu. Sont en silence pendant, je ne sais pas, moi, 1 heure de classe, c'est-à-dire 45 minutes à peu près, et ils n'ont le droit de ne rien dire, de ne rien faire, et la personne qui observe cette scène s'aperçoit que sur les appuis de fenêtre ou bien sur les étagères, il y a plein de jeux. Et la surveillante ou l'enseignante n'imagine même pas leur offrir un jeu pour se détendre. C'est du vécu, ça. C'est du vécu. Là, c'est moi en tant que praticienne qui ai observé ça dans une école, effectivement. Et c'est quelque chose vraiment qui m'attristait profondément parce que je me disais, mais enfin, comment peut-on exiger d'enfants qu'ils restent assis comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, à ne justement pas pouvoir se déplacer, pas jouer, pas discuter. Et c'est, enfin, c'est pour moi un peu ignoble. Et c'est vraiment ne pas comprendre la nature même de l'être humain et surtout de l'enfance qui a besoin de bouger pour découvrir le monde qui l'entoure. Il a besoin de parler et de communiquer. C'est comme ça aussi qu'il va apprendre le monde. Et donc effectivement, j'avais toute une panoplie de jeux en tant que logopède et donc je déposais régulièrement des jeux sur l'appui de fenêtre pour inciter à la surveillante à utiliser les jeux avec les enfants. Et c'est là que je dis que personne n'est à blâmer parce que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Dans des choses que j'ai vues, je n'ai pas toujours agi Oui, parce que mais... j'étais moi-même sous la peur de cette hiérarchie ou la peur de l'autre. Et donc, j'ai mis des jeux pour susciter, mais je n'ai pas dit explicitement à cette personne, il faut que quand même ces jeunes puissent faire quelque chose et se libérer, se détacher, c'est comme s'ils étaient attachés, ils étaient pieds et poings liés dans cette salle. Et ça, avec le recul, c'est pas que je regrette, parce qu'à ce moment-là, bah, j'ai fait avec les outils que j'avais, avec qui j'étais, mais voilà, maintenant, j'irai davantage trouver la personne et je pense que j'aurai plus de mots aussi pour pouvoir aborder ça avec tact et respect, justement, de la surveillance. C'est ce qu'on appelle l'expérience également, parce que Oui. jeune enseignante ou jeune praticienne, vous arrivez dans un milieu établi, dans un clan, quelque part, et en vous mettant en avant, vous vous mettez également en danger parce que vous ne connaissez pas la personne avec laquelle vous allez discuter, vous ne connaissez pas sa réaction, et cette réaction peut être violente, la violence, j'entends, verbale Oui. ou différente, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un chouette bouquin, Jagadi aime l'école. Vraiment chouette, j'ai Merci. adoré le livre et merci de me l'avoir confié parce que Avec plaisir. ce fut des moments
d'éclats de rire, mais beaucoup, beaucoup de réflexions et de belles réflexions. Vous n'avez pas écrit que Jacques Addy aime l'école. Vous venez de sortir un nouveau livre, Envers et pour tous. J'adore ce jeu de mots. L'évidence d'écrire. L'évidence d'écrire, mais c'est tout un programme. Oui. C'est édité chez Chloé Delisle. Oui. C'est un mixte, je dirais, de journal intime, oserais-je le dire ainsi, le Oui. nommer ainsi, et de poésie. Tout à fait. Et ça se lit vraiment très facilement. Je dirais que je l'ai lu quasiment d'une traite, avant de faire marche arrière, bien entendu, pour m'imprégner du rythme des mots. Mais ça, c'est une autobiographie. Complètement. C'est une Complètement. autobiographie, oui. C'est mon histoire de mes 9-10 ans à mes 17 ans. Et effectivement, bah, depuis toute petite, j'écris. Je me souviens que le premier écrit que j'ai trouvé, je crois que je devais avoir 6-7 ans. Et je vais avoir un esprit déjà assez féministe parce que j'écrivais sur ce petit bout de feuille que mon frère avait beaucoup plus de droits que moi, et c'était parce que c'était un garçon. Et enfin, ça m'a fait rire quand j'ai retrouvé ça. Mais donc voilà, j'ai toujours écrit. Est-ce qu'on ne protège pas les garçons justement parce qu'ils sont plus faibles? Oh, alors peut-être parce qu'on les protège trop, du coup on a l'impression qu'ils sont plus faibles, je ne sais pas. On a tous nos forces, mais voilà. Et donc du coup j'ai continué d'écrire et j'écrivais en fait des poèmes. Donc j'écrivais des histoires bien sûr, mais les poèmes, ça c'est quelque chose qui est venu naturellement. J'ai pas appris à écrire ça en classe. Bien sûr, il y a eu des cours donnés sur la poésie, mais personnellement, les cours de poésie en classe, je crois que c'est ce que j'ai le plus détesté. Pourtant, j'ai écrit des poèmes, mais analyser des allitérations, interpréter que d'une seule façon le poème, c'est quelque chose qui me retournait l'estomac parce que je me disais, mais moi, j'écris avec mes tripes, j'écris ça, mais peut-être que quelqu'un, de toute façon, va le comprendre autrement et ça va lui apporter autre chose. On retrouve un peu le premier bouquin. Oui. Il y a des sujets qui sont redondants. D'ailleurs, il y a DiCaprio qui intervient dans les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que DiCaprio à l'adolescence, moi, il m'a beaucoup marqué. Et on va recevoir prochainement une psy, on va lui Ah, demander. voilà. Il y a un texte que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai aimé parce qu'il était caché tout d'abord. Il parle d'une jeune fille, mais ce n'est pas la vôtre, hein, c'est celle de votre tante, je crois. Hein. Oui. Toi, ma fille, qui est là-haut, toi, ma fille, aux yeux doux, je te ferai plaisir en ne t'oubliant jamais, comme tu m'as fait plaisir en ne m'oubliant jamais. Tu me manques beaucoup, comme je te manque aussi. Mais toi, ma fille, n'oublie jamais ça. Sache que j'étais toujours aimée et qu'un jour, je viendrai à tes côtés. Et le mot amour est un mot, je dirais, c'est presque le fil conducteur de vos écrits. L'amour vous semble indispensable. On dirait que vous avez soif d'amour, que c'est une que vous n'en auriez jamais assez. Oui, c'est la première fois qu'on me le dit comme ça, mais effectivement, oui, bah pour moi, l'amour est dans tout, et sans amour, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. De grand, ou en tout cas, même l'infime chose, oui, mais faite avec amour pour soi, ça va être tellement porteur. Et tous les jours, c'est vrai, et en ce moment, je vis une expérience enfin, sur laquelle je vais écrire un livre, justement, mon avis à un moment donné, où je me dis, mais enfin, est-ce que là, ça, c'était un acte d'amour ou pas? Enfin voilà, je suis toujours en questionnement parce que je veux m'améliorer en tant que personne. Je me demande toujours si je suis, si j'aide la personne avec laquelle je suis en contact, si je l'aide à se sentir bien, c'est-à-dire est-ce que je l'ai, peut-être que je la juge aussi, et le jugement, ça c'est quelque chose de, moi en tout cas, je me suis sentie jugée toute mon enfance, mon adolescence, et donc j'ai mis du temps à m'extraire de ça, et c'est encore fortement présent, J'ai mais l'impression que j'y vous vous travaille jugiez vous-même. énormément. Et oui, et je sais que déjà ça, si je lâchais le morceau là-dessus, ça irait de mieux en mieux, et ça va de mieux en mieux, mais effectivement, c'est un travail de longue haleine. Et cette partie, ce poème-là, je reviens sur le poème que vous avez lu, parce que justement, cette personne qui est décédée, cette jeune femme qui est décédée, je ne l'ai jamais rencontrée. Elle est décédée, je pense, oui, quelques années avant ma naissance. Mais par contre, c'est comme si je la connaissais.
parce que ce qui a été transmis dans ma famille, la façon dont on parlait de cette jeune femme, qui était justement apparemment très gentille, extraordinaire, intelligente, enfin, et le manque que sa disparition a laissé chez les vivants qu'elle a connus, est quelque chose de je vais même dire d'envahissant, en fait, pour les générations qui suivent. Et c'est ça, c'est vrai qu'on porte tous, il y a des secrets de famille, il y a des poids que l'on a sur les épaules. Parfois, on ne sait pas trop identifier pourquoi, d'où ça vient, mais c'est vrai que ça peut venir, voilà, de personnes de la famille disparues bien avant notre naissance. Et cette personne-là, autant on la connaissait tous, mais on n'en parlait pas, ou peu, finalement. Mais on ne pouvait pas oublier la date de décès, la date d'anniversaire, donc de naissance. Et c'était quelque chose de très. Il y avait une tension palpable avec la mère de cette fille, parce que voilà, il fallait y penser, mais pas vraiment en parler. Est-ce que c'est pas ça, justement, que l'on appelle laisser partir le défunt? Oui. C'est le laisser partir, non pas de son cœur, mais de l'emprise qu'il a sur vous. Oui, c'est tout à fait, oui. J'en discutais justement avec une dame de 83 ans, il y a quelques jours, qui a perdu son fils, il y a aussi plusieurs décennies de ça. Mais c'était ça, c'était de laisser partir, comme vous dites. Mais c'est pas parce que on ne s'accroche plus que on renie la personne ou qu'on l'oublie. Et ça, personnellement, j'ai pas vécu un deuil comme ça, donc je ne peux pas en parler, je peux juste essayer de comprendre. Mais c'est vrai que y a une libération à travailler quand on vit un deuil, j'imagine, pour pas non plus emprisonner les autres là-dedans, parce que, comme on dit, on vit avec les vivants. Par contre, ceux qui sont décédés nous ont laissé plein de magnifiques choses, et bien sûr, sur lesquelles on peut s'appuyer pour rebondir dans la vie. Nathalie Collat, Envers et pour tous, L'évidence d'écrire, c'est édité chez Chloé Delisle. Et puis un autre livre que j'ai découvert avec passion, vraiment, Nathalie Collat, Jacadi aime l'école. C'est une auto-édition, mais je gage que vous trouverez bientôt un éditeur parce qu'il le mérite vraiment. Il Merci. mérite sa place, je crois, à l'avant de toutes les librairies et peut-être au cœur de chaque institution. Évidemment, le temps nous est compté, le temps passe à une vitesse incommensurable, on aimerait bien le freiner tant vous êtes passionnante et passionnée. Merci. Et j'en profiterai pour saluer nos confrères de Radio Vicomté, et puis Radio Ciel Bleu également, qui se trouvent du côté de Béziers, qui font un travail remarquable. À bientôt, Nathalie. À bientôt. Merci.